Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode de la place du marché avec notre famille de fou dingue. Notre famille avec un chien, un bambin, un chiot et un chien, oui, c'est la même chose, et des jumeaux. Voilà, la dernière fois, vous avez bien rigolé. Hein. Voilà, vous êtes bien moqué de moi. Cette fois-ci, j'espère que ça sera plus calme. En tout cas, Daenerys, pour l'instant, est réveillée. J'espère qu'elle va pas casser les pieds. Sauf que Drazik doit déjà aller à l'école. Donc, mon petit, tu vas te lever. Je l'ai relooké vite fait, mais je vais laisser cette petite coupe de cheveux parce qu'il était très, très mimi. Et donc, voilà, il va aller à l'école pour un premier jour en plein hiver. C'est super. Et en tout cas, amuse-toi bien, mon petit. Et fais-toi des amis. Hein, voilà, comme ça, tu seras... Voilà. Edita va sûrement avoir sa petite promotion. Dans ce cas-là, on atteindra le niveau... Niveau 10 de la carrière. Oh my fucking god. En tout cas, ou peut-être, parce que là, ils disent que je vais l'avoir, mais je n'ai pas rempli ces conditions. Donc, on va voir à midi. Hein, pour l'instant, ça ronfle. Et on verra. On croise les doigts. Et voilà, ça commence. Alors, bon, ben, je pense que Darion est beaucoup mieux que sa mère. Ah, et le chien aussi, ici, mais... Et le chien, il est où, là? Ah non, mais le chien, il crie dans son sommeil. Bon. Alors, tu vas nourrir la petite. Tu vas la bercer. Tu vas lui parler. Hein, parce que, bon, elle casse ses pieds, déjà. Bon, il devrait pas tarder à grandir, les bébés, donc, les jumeaux. Ah. J'ai cru qu'il allait s'y mettre, mais ça va pas tarder, je crois bien. Mais ils vont pas tarder à grandir, donc, bah, à voir, hein. Oh, elle pue! Elle pue, la bichette! Et voilà, tu as bien fait. Donc, tu vas faire des pancakes, s'il te plaît, avant que Daryl se mette à pleurer, lui aussi. Mais à mon avis, ça va pas tarder, parce qu'il est quand même réveillé, il dit rien, mais... À mon avis, il va se mettre à hurler. Ah bah non, j'ai pas eu la promotion, puisque... voilà, je travaille, on va rentrer bien sûr à la maison. Trouvez votre muse. D'accord, c'est super. J'ai reçu des sous, mais je n'ai pas eu de... Oh, le chien! C'est pas possible. Non. Soin donné aux animaux. Mais je croyais que... Attendez, pourquoi? Sermonner à vos aux aboiements. Tu casses les couilles, D'Artagnan, là. T'es bon, hein? Qu'est-ce qu'il a? Il a envie de pisser? Tu vas encore nous faire ce cirque? Bah, tu vas le prendre dans tes bras. Et on va l'emmener dans le jardin. Voilà. Il est cota. Oh, il est cota, les chiens. Oh, il est cota. Ouais, tu vas aller faire ton pipi Normalement, tu sais le faire, hein. Il est trop mignon. Il est relou, mais il est adorable. En fait, il a tellement une grosse tête par rapport à ses pattes que... Bah, écoute, on va le laisser... Va pisser, on va le laisser un peu dehors, là. Vu qu'il neige pas, il va s'amuser. Et puis, on verra bien après. Maudita, t'es censée déjà bosser, donc tu vas te lever. Et Daryl n'a pas encore bronché, c'est très bizarre. Tu vas manger. Et puis, voilà, on va passer la commencer à travailler tranquillement. Lui, il a même pas fini ses trucs. La marmotte, là. Tu vas te lever, tu vas venir manger aussi. Ouais, bichette. Et puis, elle tira sur le pot après. Voilà, elle commence à se gérer toute seule, la petite reine, donc c'est bien. Tant mieux, parce que quand on aura les deux morveux là en bambin, ça va être la Bérésina. Non mais ce chien, mais il a pissé et il boit dans sa pisse, non mais... Dans quel monde vit-on? Les Sims, ça ne va pas du tout. Voilà, tu le laisses 5 minutes, fais des conneries. Voilà. Ok, d'accord papa, je ne boirai plus dans les flaques de mon pipi. Voilà, tu peux le prendre maintenant et on va le remonter tranquillement à l'étage. Allez. Allez, donc ça c'est long. Oh, attends, il m'a cassé le bazar, c'est pas possible. Allez, Darion! Voilà, posez D'Artagnan ici. Ok, on est bien. Cocotte, tu t'ennuies, ma belle? Ah bah, ouais, d'accord. Non, tu vas bosser. Tu dois trouver ta muse, donc tu vas trouver ta muse. Ensuite, tu vas écrire, reprendre l'écriture de ça. Tu n'as toujours pas fini. Et tu referas trouver ta muse. Ah, mon Dieu, Daryl est en train de pleurer. Daryl pleure, il a sa couche sale. Et le chien, tu l'as laissé dehors. Tu me casses les pieds. Et Daenerys revient.
Ah, c'était bien, t'as pris le chien cette fois-ci, bravo! Et Drazik revient de l'école, déjà. On n'a rien fait dans la maison. Bah écoute, mon bichon, tu peux te faire une petite sieste tranquille. Après, tu feras un peu ce que tu veux et tu feras tes devoirs, mon petit. On est mardi, oui, donc t'es obligé de faire tes devoirs. Alors, tu bosses? Bon, on n'était pas prêt d'avoir fini ce bouquin. Hein. Peut-être ça a accéléré, cocotte, hein. Parce que d'ici. Ah ben ouais, non, on a fini. Non, 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 on n'a pas encore fini la journée. Qu'est-ce qu'ils me font là? Pourquoi travaille dans 20 heures. Ok, très bien, super. Tu fais quoi? Oui, je t'ai demandé de faire du ménage, Nunuche. Ah, qu'est-ce qu'il est bête. Tiens, tu vas nettoyer le truc là. Tu vas nettoyer ça, tout ça. Et toi, tu fais le ménage, mon coco. Hein, voilà. T'es là pour ça. Ouais, t'as rien fait, sérieux. Bon, on est loin d'avoir le niveau 9 pour l'instant, hein. Mais si tu pouvais au moins terminer ton livre, ce serait cool parce que bon, voilà. Et après tu feras ta muse là. Il est 18 h passées maintenant, de toute façon trop tard. Ah bon, ça la. D'accord, c'est n'importe quoi. Cette carrière, elle fait pas ce qu'il faut, mais ça fonctionne quand même. Tout va bien. J'avais pas vu Daenerys. Elle pue du cul et elle a besoin du bibi. Darion est demandé à l'accueil. Darion est demandé à l'accueil. Merci. Ah ça y est, elle a fini son bouquin. Alléluia. Ah là, les petits bébés, toi, tu fais ça. Mais arrête avec ton téléphone, c'est incroyable ça. Hein oh, mais Jimmy, arrête. Ouais, ah bah si tu veux, oui, tu viens. Mais il me stresse, lui, il arrête pas. Ça y est, t'as fini ton truc? Non, alors, avant de faire quoi que ce soit, tu vas publier ton bouquin. Voilà, vendre un éditeur. Ah bah, de plus, y en a deux. Allez, hop, tu vends tout ça. Et puis après, malheureusement, c'est ton anniversaire, cocotte, donc tu devras. Oh, la petite, elle est partie, tout. Daryl a très faim. Mais Daryl, il pleure pas? Daryl ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est reparti dormir. Non, mais va le nourrir. Daryl ne pleure pas. Comment voulez-vous que je sache qu'il est faim? Il ne s'exprime pas. Ah, bah, elle a perdu un niveau de notoriété. Bah, c'est ça, bravo. Ok, ça, elle le fait. Elle va aller après pisser. Et puis, surtout, tu vas nous faire un petit gâtal parce que ça va être ton anniversaire, ma cocotte. Donc, oui, déjà. Et un petit gâteau au chocolat parce qu'il n'y a que le chocolat qui est bon dans la vie. Pauvre gamin qui fait ses devoirs dehors dans la neige. Il n'y a pas de blizzard pour une fois, donc pourquoi pas? Au moins, il fait ses devoirs, ce garçon. C'est un bon petit gars, ce petit Drazik. Moi, je l'aime bien. Ouais, le gâteau est prêt. Tu vas mettre les bougies d'anniversaire. On va faire un petit événement social en plus. Ouais, il est 20 h, tout va bien. Tiens, tu vas ajouter une story à Simstagram, là. Tu peux dire, ouais, c'est mon anniversaire, quoi, wesh. Venez liker. Hein. Et puis, on invite les potes. Allez, c'est type part. Tu t'es encore très très bien habillée, ma belle. Tu vas illuminer la journée de ta fille quand même. Parce que c'est vrai que vous avez jamais d'interaction. Hein, ils sont toujours en train de bosser, les gars. Ah oh, ouais, bah voilà. Bah, c'est normal après. Il y a les jumeaux qui cassent les couilles. Tu veux quoi, Daryl? Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Qui c'est qui. Oui, Darion. Parce que là, si Darion n'arrive pas dans les. Ah oh, là 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 là, non. Ça y est, ça va recommencer. Non? Devoir terminer? Mais, venez vous occuper du gamin! Ah bah non, c'est lui qui vient. Ok, viens là! Viens, mais venez là! Ça commence à bien faire! Oh là là! Ça y est, c'est reparti! J'ai l'impression de refaire le même épisode que la semaine dernière, là, ça devient grave! C'est dingue, mes gamins! Mais what? Ah non, il n'y a que Daryl qui va toujours pas bien. Ah, attendez, je fais une petite pause. Je sais pas ce qu'il a. Donc, j'ai pas eu le temps de voir. Ah, bah, c'est maman qui y va. Tu fais quoi, maman? Tu changes la couche? Mais parle-lui. C'est tout ce qu'il avait? D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Bon, ça me rassure. Papa, bah, Darion, tu vas allumer la zucmu. Tu vas mettre de la disco moderne, tiens, voilà. Hein, et puis, raconter des blagues. Ok, tu vas raconter des blagues. Tu vas raconter des blagues drôles. Toc, 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 qui est là? Arrêtez de vous occuper des gamins. On s'en fout. Tac, tac. Hop, toi aussi, tu vas aller raconter une blague à Jamie. Une blague sur la mode, oui, tant qu'à faire. Faire en sorte que les Sims dansent en même temps. Oh non, c'est pas possible. Maintenant, ils puent du cul, mais. Bon, ça s'enjaille, mais alors.
Il y a franchement pas assez de place. Ah ça, elle a eu accès. Parce que là t'as Jamie qui est à moitié dans le berceau, mais elle a accès. Oh, c'est rassurant. Bon, alors tant mieux. Tu veux quand même dire. Oh non, bah non, c'est ton mari ça. Tu veux remercier quand même les gens d'être là. Voilà, on va. C'est bien. Qu'est-ce qu'il a la classe, Jamie Black. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Franchement, j'adore ce costume dans. Il vient d'avec Heure de gloire et je le trouve absolument super beau en blanc quoi. Bon, comme cette histoire de toast là-bas et de boisson, on le fera pas. On va juste souffler les bougies, hein, c'est tant pis. Tu vas souffler les bougies, mademoiselle Dita, enfin madame, parce qu'elle est mariée, c'est vrai que maintenant. Toi, tu vas venir là aussi, parce que c'est l'anniversaire de ta mère quand même. Et toi, Bichette, tu viens aussi. On va pas fêter son anniversaire toute seule dans la cuisine! Vas-y, bougez votre perche! Oh la pauvre! Oh, c'est pas vrai. Happy birthday, Dita! Et voilà, la belle Dita, devenue adulte, meurt, mère de quatre enfants, meurt. Tu vas appeler à table? Eh mais t'arrêtes de violer, t'arrêtes de violer notre frigo, toi! Saleté! Non mais ça suffit, hein, quand même. Ah bah là, ça par contre, pour souhaiter mon anniversaire, il n'y a personne. Mais pour venir bouffer mon gâtal, là, il y a du monde, hein. Rapace de Sims. On n'a même pas le temps d'avaler un bout de gâtal. Tu veux quoi, Daenerys? Tu veux quoi? Tu veux quoi, Daenerys? Allez, papa, on s'en occupe. Je sais pas si c'est à la fin, j'ai pas vu de bulle, je sais pas. Ouais, je crois que c'est ça, elle avait un peu faim. Bon, bah tout va bien. Quand est-ce qu'ils grandissent, ces monstres, bon sang? Alors, Drazik, t'es un amour, mais va te coucher. Je pense que là, tu peux. Il est minuit, tu as école demain. Oh dodo, mon petit. Plus vite que ça. Nous, on a fini, de toute façon, là, on a la médaille d'or et tout, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Non, mais, hé! La meuf, là, regardez ça. Ah non, mais moi, je suis trop belle, quoi. Ouais, j'ai trop le talent comme ça, ouais, ah, je suis trop belle. Ouais, d'accord, hein, ma belle. Bon, allez, on va mettre fin à l'événement. On va dire au revoir à tout le monde. Et toi et ton mari, vous allez faire cram petit crac-crac, histoire d'eux, hein, pendant que les gamins sont encore à peu près endormis. Oh là, tout ce qu'il fait, lui, hein, tu dis pas au revoir, tu fais rien, tu vous allez crac-craquer et c'est déjà bien. Regardez-moi ça. En plus, Dita, elle est sur son 31, là, elle est magnifique. Hein, ça peut que donner des envies, ça, monsieur. Et Nabi! Allez, on va les suivre rapidement. Tout, 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 tout. Ah, il y a Daenerys. D'Artagnan a vieilli! Ouais! D'Artagnan est devenu un gros chien! On n'aura plus à le transporter quand il ira pisser! Et Daenerys s'est mis à pleurer! Oh la tronche! Ah, mais il était beaucoup plus mignon quand il était petit, hein! Mais il est con! Mais qu'il est con, regardez-moi ça. Je vais essayer d'attraper ma queue, mais j'ai qu'un tout petit bout de crotte de queue, donc forcément, c'est compliqué. Non mais... Il court à une allure, ce chien! Et je suis en vitesse 1, hein! Ah, la vache! Mais il est fou. Dita, tu peux te lever, ta fille pleure depuis tout à l'heure. Ah, mon Dieu! Elle a grandi! Oh non, ils ont les cheveux noirs! Oh, je suis tristesse! Surtout Daenerys, quoi! Oh, la gueule de Daenerys! Oh, quelle horreur! Ah, oh, qu'est-ce qu'elle est moche! Elle est vraiment pas comme celle de la série, là, c'est sûr. Oh, je suis traumatisée. Pour les pompins, alors du coup, Daenerys a vieilli. Bah écoutez, on va la mettre. Dynamique. Elle est trop moche! Et lui, mais pourquoi les garçons, ils ont pas. Je vais le mettre indépendant, lui, comme ça c'est fait. Pourquoi les garçons, ils ont pas le menton moche de leur père? Oh, par contre, il a des très très beaux yeux de sa maman. Mais Daenerys, elle a les yeux bleus de son père et le menton. Mais le menton de l'horreur, quoi! Regardez-moi ça! Pauvre gosse! Oh là là, on devrait la suicider, cette pauvre petite. Non mais ce chien, il a peur de la cheminée. Voilà. Et je crois qu'il sait pas ouvrir les portes. Il va nous casser les couilles. Ouais, il doit épicer. Mais il peut pas y aller maintenant? Demandez, faire ses besoins. Il peut pas ouvrir la porte? Je sais pas. Il a besoin d'une bouchée incendie.
Oui, bah écoute, papa arrive. Tu sais pas ouvrir les portes, je sais plus moi, hein, si... Normalement, pour moi, ils savent ouvrir les portes, les chiens. Quoi? Il peut pas? Mais c'est quoi ce clébard à la con, là? C'est quoi ce clébard de merde que j'ai? Mettre la laisse. Tu vas mettre la laisse, et puis on va aller le promener. Arrête de bouffer de... Je vais dire D'Artagnan. Non, c'est Darion. Ouais, bah écoutez, ça ressemble, hein. Wow! C'est quoi ce truc? Mon Dieu! Alors, attendez, on va y arriver. Promener. Courte promenade. Allez. Eh oui, Cocotte. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il est colère? Trop de cubes. Oh là là, pauvre bichon. Mais il est 3 h du matin, Daryl! Drazik! Putain, ça y est, j'ai trop d'enfants. On s'en fout, va dormir. Oh, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, ce petit con? Tu vas me nettoyer ça et tu vas dormir. Oh là là, mais ça devient n'importe quoi, moi. Les Sims, dès qu'ils ont des gamins, dès qu'il y a des gamins dans le lot, c'est la bérésina. Darion! Darion, je t'ai dit d'aller le promener. Oh. Mener, promener, courte promenade. Allez, on y va. À 4 h du matin, tout va bien. Vas-y, mais le chien, il a mis son pyjama rose dégueulasse. Tu le sors. Voilà. Ça, je savais pas qu'il. En fait, c'est parce que ce chien, il sait pas descendre. Le... Ah, si, il sait descendre des escaliers. Qu'est-ce qui me casse les couilles, ce clébard? Oh non, mais je vous jure. Puis alors, ce qui est magnifique, c'est que. Son petit habit là, bon alors bien sûr Darion nous a emmené dans un endroit bien pourri où on peut rien voir, mais son petit habit, il a juste une petite fente à son cul à ce chien. Il a fait tout ce qu'il veut, maintenant on rentre, allez hop, tu rentres, tu vas être couché Darion parce que là c'est plus possible. Et le chien, ben il fera sa life, hein, tant pis. Hein. Voilà, super. Ce chien a un certain kiff pour se rouler dans sa propre pisse. Alors, tout à l'heure il l'a buvé, maintenant il se roule dedans. Vous voyez la petite fente parfaite pour faire passer le caca, c'est magnifique. Daenerys, qu'est-ce que tu fous? Les nanques, saleté, mais viens là, joue au cube, j'en sais rien là, dis. Casse les burnes, non? Trop de cubes, oui, bah. Et votre sœur, elle est où? Qu'est-ce que. Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as été le réveiller? Mais dors, toi! Et toi, là, casse-couille, mais. Va dormir aussi? Mais elle était au lit, cette débile Daraen. Mais qu'est-ce qu'ils me font, ces gamins, là? C'est pas possible. Sans surveillance, là, ça devient mais n'importe quoi. Alors, je sais pas pourquoi, ça tombe toujours sur ma gueule d'avoir des gamins qui font que de la merde dans les Sims. C'est pas possible. Hélice me pleurait. Ouais! J'ai mis à côté! Ah, je suis tristesse! Allez, parle avec ta sœur, quoi, hein. Vous avez grandi dans le même placenta, maintenant, donc ça devrait aider, quand même, non? Ah, je vous jure. Voilà, petite update, maintenant le chien dort carrément. Hein, là où il y avait sa pisse. Voilà, il y a des gens qui arrivent, ils disent, oh, c'est quoi ce petit chien abandonné? Voilà. Ben voilà, hein, maintenant, Drazik, c'est l'heure de l'école, donc tu vas quand même faire tes trucs parce que sinon tu vas te pisser dessus et tu vas puer, donc ça va pas être possible. Donc tu vas maintenant faire tes trucs, tu vas en cours. Maman. Maman, elle est réveillée. Oui, mais maman. Maman aussi, tu dois faire des trucs là. Va manger un truc, Tita. Oh là là, avec les assiettes qui traînent dans tout le sens. Mais bon, pour l'instant, on va laisser Darion dormir. Il fera le ménage après. C'est notre homme de ménage. C'est un père au foyer, vous voyez? Comme ça, il aide sa femme. Sa femme, elle doit tenir sa carrière. Et ben lui, il l'aide à. Voilà. Il l'aide pour tout le reste. Super. Il s'est même pas pris sa douche comme je lui ai demandé. Magnifique. Du coup, je vais. J'ai demandé au chien de revenir et là il est méga rapide hein, on pourrait faire des courses de chiens avec lui hein. On pourrait peut-être gagner hein, qui sait, avec son manteau, mon Dieu. Et alors, est-ce qu'il peut monter tout seul? Oui! Eh ben bravo! C'est bien mon petit D'Artagnan. Ah super, tu fais une toile. Eh ben écoute, je te laisse faire parce que comme ça on va augmenter tes skills en peinture. Et sœur là. Ah bon.
Alors, Darren, son menton a été retouché et Daenerys, pas du tout. Est-ce qu'on retouche le menton pour Daenerys ou on attend de voir ce que ça donne quand elle grandit? Parce que là, elle est très très moche. Hein. Elle vraiment ressemble à que dalle. Alors que Darren est trop cute. Voilà. Le chien est revenu. Ah, qui dit chien qui revient? On va remonter. Hein, il casse les couilles. Mais il est surex, ce chien. Il est surex. Tu vas pisser. Ouais, je sais. Tu vas manger et après tu vas laver le chien parce que le chien il crade. Donc donner un bain de mousse. Ah bah au chien. Ah non, on peut pas. Comment on fait? Comment on fait pour nettoyer le chien? Ah bah là, D'Artagnan. Voilà, tout va bien. Ah, ce clébard dégueulasse. Bravo, tu vas me la vendre, tu vas évaluer. Non, 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 tu fais, t'occupes pas des gamins là, t'as du taf à faire. Oh, je vous jure. Tu vas, carrière. Enregistrer le guide du style. Allez, tu te dépêches, Dita. Il faut grimper dans les échelons, tout ça. Oui, hein, parce que là, ça va plus. Elle est toujours buggée, hein. Elle est censée taper sur l'ordinateur, mais elle préfère parler. Bon, voilà. Voilà, le petit shampoing pour D'Artagnan. Ah, tu vas rentrer dans l'ordre bientôt. Après, il y a aussi les gamins à s'occuper. Ah ouais, ils sont retournés se coucher. Et elle arrête pas de se faire dessus. Non, mais c'est pas possible. Bichette, qu'est-ce que tu veux faire te balader, toi? Va pas trop loin, hein. Faudrait pas que tu te fasses enlever, hein. Ce serait dommage. Ouais, t'as raison, Darion. À ce moment-là précis, c'est assez calme. Il y en a deux sur trois qui dorment. La dernière est partie se balader dans le jardin, faire la con dans la neige. Donc, au moins pendant ce temps-là, casse pas les pieds. Voilà. Le chien, il sait aller dehors. Est-ce qu'il va aller pisser au moins? Parce que là, on va pas devoir le gérer tout le temps. Hein. Mais quelle vitesse, regardez-moi ça. Et hop là! Et je me balade. Non mais le nombre d'assiettes sales et de... qui traînent. Allez, Darion, là, faut que tu... Non, mais voilà, à un moment donné, faut bosser un petit peu, hein. Je t'ai laissé le temps. Tu bosses. Dita, tu peux, s'il te plaît, vendre à un collectionneur. Tu vas me faire un peu même beaucoup de toiles. Il faut qu'on monte tes compétences parce que ça commence à... Voilà, ça... On n'a toujours pas... Aucun des trois n'est monté. Donc, tu vas travailler. Toile surréaliste à 100. Allez, go. Allez, Drazik est rentré et il pue sa mère. Oh ben oui, comme d'habitude, parce qu'il s'est pas lavé ce matin, ce petit con. Alors tu vas prendre une douche, un bain de mousse là, comme ça c'est bien. Ensuite tu trouveras bien un truc à manger, hein? Ah, lui il veut aller faire sa sieste. Bah ouais, mais non mon gars, fallait pas faire le con cette nuit hein, avec ta sœur déjà. Voilà. Il y en avait même jusqu'au salon des assiettes, attention. Oh la vache. Les bambins pervers, vous les connaissez, vous savez que c'est possible ça? Il est en train de mater son frère qui est dans son bain. Non mais what the fuck? Oh là là, ici ça devient grave, hein. Darion, quand tu auras fini tout ça, après ouais, tu termineras ton truc et tu serviras le dîner. Des pastas primavera. Voilà, ce sera bien et comme ça tout le monde pourra se sustenter. Salut grand frère. Je te trouvais très beau tout à l'heure, tout nu dans ton bain. Waouh! C'est horrible. Dis donc, toi, t'es indépendant, mon petit. Hep, va sur le pot. Daryl, sur le pot. Daenerys, elle s'est réveillée. Elle est un peu fatiguée. Et puis, elle doit aller faire un petit pipi aussi. Mais bon, je pense pas qu'on aura le temps de la faire aller sur le pot. Oh là, la bouffe est servie. Qui en voudra? Eh ben, il y en a un ici qui va se servir. Toi. Non, toi, ça va, elle a pas encore trop faim, mais il faut qu'elle aille pisser. Elle dort. Ok, bon, il faudra absolument envoyer Daenerys au pot. Papa, dès que Daryl, il a fini de faire son pot, je vais vous envoyer déjà ici. Hein? Ça ira après, comme ça, vous allez prendre le relais. Le pot ellipse, ça y est, elle est sur le pot. Ah, Daenerys, vite, avant qu'elle se fasse dessus. Allez, on arrête de discuter, là. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Le pot, le pot. Le chien, il dort les yeux ouverts en plus. Mais cette position magnifique avec toujours ce petit habit qui lui va parfaitement bien. Hein. Voilà, il est splendide ce chien. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Drazik peut faire ses devoirs sur ce petit bureau. Donc c'est bien.
Oh là 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 là, Daenerys, sa colère! Où sont mes dragons? Eh ben tiens, tu vas manger et après tu iras au lit, hein. Arrête! Dis donc! On n'en hurle pas comme ça! Et toi, tu dis rien, toi, t'es en mode tranquille. On peut les engueuler, les gamins, quand ils gueulent comme ça, disciplinés, calmes. Ah ouais, deux crises de nerfs. Et elle danse. D'accord, tout va bien. Bah, hé, Darion, il y a une flaque, hein. Donc tu peux essuyer, s'il te plaît, et nettoyer. Voilà, même dit-elle, elle dit, mais c'est dégueulasse ici! Darion, ton seul boulot, c'est de faire le ménage et tu le fais pas! Non mais franchement, je préfère encore les bouffer ailleurs, moi! D'Artagnan qui réclame à manger! Ah, il est trop cute ce chien! Il est chiant, mais il est mignon! Ah, j'avais pas fait attention, mais on a enfin atteint le niveau 7 de peinture, comme demandé. Donc ça, c'est bien! Après, il va être 23h, ouais, je pense pas que. Pff, le charisme, est-ce que tu peux te. Tester tes techniques de drague, tiens, voilà. Un petit peu. Comme ça te fera peut-être bosser un peu le charisme. Je suis pas sûre, mais. Ouais, magnifique. Mais quelle est cette chose dans le lit? C'est Daenerys, un super look pour dormir. Hein. Vraiment là. Ouais, super. Astiqué, casa toujours pépant. C'est bien, mon Darion. Tu nettoies, c'est cool. On a encore. Donc, elle va rester. Debout toute la nuit, je pense. Lui, il va aller se coucher après. Pour l'instant, il fait joujou avec le chien. Daenerys est partie se coucher. Lui, il est parti se coucher. Et elle continue de faire ça, là. Mais ça fonctionne, hein. Ça monte un petit peu. Mais bon, on n'y est pas encore. Il va être minuit. Allez, tu vas aller dormir, ma belle, parce que là, c'est plus possible. Lui, il fait le ménage. C'est parfait. Si tu fais bichon, tu veux faire un petit câlin? Ouais, t'as raison, tu fais un câlin et après t'iras. Bah non, t'iras au pot. T'iras au pot et puis après t'iras dormir, mon petit. Voilà, ça sent l'organisation qui commence à se faire. Darren, elle va peut-être grandir. Ah bah, elle grandit très très bientôt. Ça deviendra une petite fille. C'est cool. Au moins, comme ça, j'aurai que les jumeaux à gérer en bambin parce que là, c'est un peu trop. Tu veux faire quoi? Tu veux emmener ta gamine danser? C'est la gamine qui a demandé à danser. D'accord. Waouh, tu tournes! Moi qu'elle est belle! Wouh! T'es dans le berceau un petit peu quand même. Et lui, le chien. Alors, le chien, il aime rien de ce qui se passe dans la pièce, mais il y vient quand même. Il n'aime pas la cheminée, il n'aime pas le haut-parleur. Qu'est-ce que tu fous là, le chien? Ah, mais on t'a dit de pas gueuler sur les Sims! Ça suffit! Soin donné. Moi, je sais plus comment on fait. Oh, bref, tant pis. Voilà, il est parti. Tant qu'il n'a pas réveillé Daenerys. Dita, tout va bien. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il aboie sur la baignoire. T'as un kiff sur la baignoire, mon petit? Ouais, mais t'es bizarre. Hein. Bon, c'est pas tout ça, mais tu vas être couché, Darion, parce que bon, la petite, elle peut danser si elle veut, mais voilà. En plus, elle s'éclate. Hein. Ouais, wouh, je tourne. Regardez le chien plutôt, c'est beaucoup plus drôle. C'est trop mignon. Allez, le petit Daryl va se coucher, les petits monstres vont se coucher, on est bien, il a froid, mais écoutez. Y'a que Darren. Non, Darren, non, tu vas pas réveiller ton frère. Il est hors de question, Darren, que tu réveilles ton frère. Maintenant, tu casses tu me fais chier. Tu sais quoi, tu vas aller regarder. Qu'est-ce que c'est? Ah mince, elle peut pas allumer la télé. Ah zut! Eh ben écoute, je sais pas. Est-ce que t'as un truc dans ton jeu? Ouais, eh ben écoute, tu vas jouer! Voilà! Et tu nous casses plus les pieds! Voilà! Et tout le monde est enfin au calme. Et moi, je vais vous quitter ici pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Ça aurait été encore un peu le beans au moment donné. Hein. Bon, voilà, les petits ont grandi. Elle va bientôt grandir. On va aller mieux. Oh, franchement, un peu déçu de la tronche de Daenerys, mais bon, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Mais alors, j'espère donc que ça vous a plu. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et aussi le Discord. Tout est dans la description. Et à regarder des petites pubs via la page d'outils pour financer les futurs achats des packs Sims. Des gros bisous, à très bientôt pour la suite de la place du marché ou d'autres choses. Salut!